Suite à vos nombreuses questions, je vous montre aujourd'hui comment réaliser une pose d'œillet. Tout d'abord, on regarde les outils compatibles avec les œillets que l'on a choisis. Si vous posez souvent des œillets, il peut être intéressant d'acheter cette pince à percer qui vous fera gagner un petit peu de temps. Tout d'abord, je vais vous montrer la pose d'œillet simple à l'aide de la pince Vario. Dans un kit comme celui-ci, vous trouverez les matrices et les outils pour réaliser la pose. Si vous n'avez pas de pince à percer, vous aurez aussi besoin d'un marteau. On va commencer par réaliser le trou en utilisant les outils fournis dans le kit. Vous verrez, quelques coups de marteau suffisent à percer le tissu. On vient ensuite positionner les matrices sur notre pince et l'idée va être de mettre la partie arrondie de l'œillet dans la matrice en plastique pour venir l'écraser dans celle en métal. On positionne l'œillet dans le trou et on vient presser fermement avec la pince. Voici le résultat pour un œillet simple, je vais vous montrer maintenant la pose d'un œillet double. Je vois que celui-ci ne se pose qu'au marteau. Tout d'abord, je viens réaliser mon trou. L'outil fourni dans le kit a deux côtés, un pour faire le trou et l'autre pour peser l'œillet. On vient coincer la partie arrondie de l'œillet dans le socle. On insère le tissu. Attention, ne faites pas comme moi, la partie arrondie, c'est pour l'endroit du tissu. On vient poser la deuxième partie de l'œillet sur le tout, un coup de marteau et le tour est joué. J'espère que ce petit tuto vous aura éclairé et je vous dis à très bientôt.